Looking forward to the best Christmas ever, filled with fun, smiles, and laughter. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Terrifier 3, film américain de 2024, réalisé par Damien Leone, en salle depuis le 9 octobre. Après avoir survécu au massacre d'Halloween perpétré par Art le clown, Sienna et son frère tentent de reconstruire leur vie. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, ils s'efforcent de laisser derrière eux les horreurs passées. Mais au moment où ils se croyaient enfin à l'abri, Art refait surface, bien décidé à transformer Noël en un véritable cauchemar. Si je vous dis Terrifier, il y a de fortes chances que vous pensiez immédiatement au personnage hautement sympathique qu'est Art le clown, un antagoniste ayant gagné au fil des années un statut qu'on peut qualifier de culte, n'ayons pas peur des mots, au point de faire de lui une des nouvelles icônes du cinéma horrifique. Personnage aux influences aussi diverses que Chaplin, Freddy, Pennywise et le Joker, Art le clown, dont l'apparence a évolué au cours du temps, se démarque notamment de la concurrence par son costume et son maquillage noir et blanc, son supposé mutisme et les mimiques qui en découlent, mais surtout par son sadisme, torturant et mutilant ses victimes, qu'il choisisse de les tuer ou de les laisser vivre. Doté de capacités surnaturelles, dont celle très pratique de revenir à la vie, Art le clown sait aussi se montrer mauvais perdant et faire preuve de lâcheté dès lors que la situation lui échappe. Apparu dans les deux premiers courts-métrages réalisés par Damien Leone, The Ninth Circle en 2008 en tant que personnage secondaire, puis Terrifier en 2011, occupant cette fois-ci le devant de la scène, Art le clown refait parler de lui à la sortie de All Hallows Eve en 2013. Premier long-métrage de Leone, ce film se compose en fait des deux courts cités précédemment, agrémentés d'un segment intermédiaire où Art n'apparaît qu'indirectement, le tout étant relié par l'histoire d'une babysitter découvrant une cassette VHS sur laquelle sont enregistrés des meurtres pour le moins sinistres perpétrés par un clown psychotique. Mais le vrai passage de Art le clown au cinéma se fait en 2016 avec la sortie du long métrage Terrifier, dont le faible budget, estimé à 35 000 $, est obtenu en partie via financement participatif. Se déroulant la nuit d'Halloween, le film raconte l'arrivée dans une pizzeria d'un grand clown dégingandé et mutique, tout habillé de blanc et de noir, portant un grand sac poubelle. Alors qu'il s'attaque à plusieurs jeunes femmes qui tentent tant bien que mal de lui échapper, le spectateur constate très rapidement que ce meurtrier psychopathe déguisé en clown prend un plaisir sadique à mutiler atrocement toutes ses victimes. Si certains défauts de ce Terrifier version longue apparaissent évidents, à commencer par un scénario prétexte à des hectolitres de faux sang et des mutilations en tout genre, on ne peut nier la passion qui anime l'homme aux multiples casquettes, Leone, et qui transpire à l'écran, et, une fois de plus, la part belle faite à son antagoniste muet, dégueulasse et malfaisant, Art le clown. Suite inévitable,
Terrifier 2 bénéficie d'un budget plus important, 250 000 $, obtenu grâce à des investisseurs privés et une campagne de financement participatif particulièrement efficace afin de porter à l'écran les ambitions du réalisateur pour ce nouveau volet. Ressuscité et maintenant accompagné d'une entité maléfique aux allures de petite fille, elle aussi déguisée et maquillée en clown sinistre, Art refait surface un an après le massacre du premier volet, s'attaquant cette fois-ci à Sienna, adolescente préparant son costume pour la soirée d'Halloween, et son frère Jonathan, obsédé par Art le clown depuis qu'il a découvert le carnet de croquis de son père, récemment décédé d'un cancer. Malgré une durée presque surréaliste de 2h20, Terrifier 2 s'avère tout simplement bien meilleur que son prédécesseur, de la photographie au casting, de la mise en scène aux effets pratiques, des enjeux à la musique, bénéficiant de plus de décors, d'un plus grand nombre de personnages et de séquences horrifiques, d'une caméra bien plus libre de ses mouvements et d'une mythologie plus développée. Si Art apparaît plus iconique que jamais, parfaitement interprété par David Howard Thornton depuis le premier volet, il se voit opposer une véritable résistance en la personne de Sienna, la final girl du film, interprétée par une excellente Lorraine Lavera. This Santa. He's scaring my kid. Yeah, he's scaring me too. Hey, Santa's handing out presents! Julian, run! Rapportant plus de 15 millions de dollars, Terrifier 2 ouvre soudainement bon nombre de portes aux réalisateurs et créateurs de la franchise, notamment celle des grands studios, désireux de connaître le secret se cachant derrière un tel succès, et pourquoi pas d'en profiter. Mais Léonie se voit proposer des projets pour lesquels il aurait malheureusement dû lever le pied niveau effusion de sang, dont un remake de Terrifier à destination d'un plus large public. Préférant suivre sa propre voie et n'ayant pas nécessairement besoin d'un studio hollywoodien pour mener à bien son plan, d'autant qu'il bénéficie du soutien indéfectible des fans, Léonie se lance alors dans le troisième volet de la saga. Une fois de plus, le budget est revu à la hausse, atteignant 2 millions de dollars. Il reste néanmoins difficile de réaliser un film hors du système hollywoodien, alors qu'on n'en a jamais été aussi proche. Au-delà de la pression d'avoir à satisfaire les attentes de fans de plus en plus nombreux, attentifs et exigeants, il faut également gérer le fait qu'il y a de plus en plus d'argent en jeu. Ce qui veut dire tournage encore plus intense et plus contraignant, notamment du point de vue syndical, tout étant plus surveillé, qu'il s'agisse de la composition du faux sang ou du bon traitement des enfants sur un tel tournage, ce qui n'est pas forcément un mal, vous me direz. Nous avions eu la chance et le plaisir de découvrir Terrifier 2 en France sur grand écran en début d'année 2023, le film n'écopant alors que d'une interdiction au moins de 16 ans. Si le troisième volet trouve également son chemin vers les salles obscures, grâce aux distributeurs Shadows, ESC et Factoris, il est cependant devenu, quelques jours à peine avant sa sortie, l'un des rares films français à se voir attribuer une interdiction aux moins de 18 ans, le dernier en date étant Saw 3 en 2006. Une classification qui, sur le papier, prend des allures de sanction, car venant mettre à mal le potentiel succès commercial. Il n'en est finalement rien, grâce aux exploitants qui ont maintenu le film à l'affiche et au public présent au rendez-vous. Terrifier 3 réussissant même l'exploit, comme un pied de nez à la commission de classification, de prendre la tête du box-office la semaine de sa sortie, avec 135 000 entrées réparties sur 126 salles. Your anniversary is coming up. I think a lot of people would really like to hear from you after all this time. I want to know what it's like to be in the presence of that kind of evil. What goes through your brain when he's close enough to you? You feel his breath. Dans ce troisième volet de la franchise Terrifier, nous retrouvons le personnage de Sienna, 5 ans après le massacre qui aura notamment coûté la vie à sa mère et à sa meilleure amie. Internée en hôpital psychiatrique durant cette longue période, il est temps pour elle de retrouver son oncle, sa tante et sa cousine,
tous trois très heureux et impatients de l'accueillir chez eux pour passer les fêtes de fin d'année ensemble. Mais les choses ne semblent pas totalement réglées pour la jeune femme, il suffirait d'un rien pour que tout bascule à nouveau, ce qui tombe mal, Art le clown ayant choisi de faire son retour. Lui qui patientait dans l'ombre durant toutes ces années est bien décidé à recouvrir la neige de tripailles et de rouges bien éclatants. Dans le volet précédent, Léonie avait choisi de mettre Sienna sur le même pied d'égalité que Art le clown, histoire d'équilibrer le rapport de force. Dans son costume de Valkyrie, comme tout droit sorti des pages d'une bande dessinée, et en partie grâce à la performance de Lauren Lavera, elle s'élevait quasi instantanément au rang de nouvelle Final Girl, digne héritière d'une Ellen Ripley ou d'une Sydney Prescott. Ce nouvel opus met donc l'accent sur les difficultés rencontrées par la jeune femme dans sa tentative de reconstruction, nous gratifiant même de souvenirs attendrissants entre elle et son père disparu, interprété ici par Jason Patric. Pour ce qui est de son frère Jonathan, qui a un peu mieux géré l'après-massacre, ce dernier se voit progressivement écarté du récit, comme si Léonie ne savait pas trop quoi en faire. Sans surprise, le climax nous offre une nouvelle confrontation entre Sienna et Art, qui n'est pas venue seule cette fois-ci. Imaginant Art distribuant des cadeaux à des enfants dans un centre commercial, ou rencontrant le Père Noël, Léonie délaisse bien volontiers Halloween pour Noël, espérant offrir au film une nouvelle atmosphère, une nouvelle saveur. L'occasion idéale pour retirer un peu de la légèreté inhérente à cette période de fin d'année, de cette fête sainte, il peut en détourner l'iconographie religieuse, et pour ce qui est de la famille et de la joie d'être ensemble, il va tout faire pour la faire voler en éclats. Reste que, hormis une introduction diablement efficace, il faut bien avouer que l'idée et le décorum apparaissent finalement peu exploités. Considérant et défendant le gore extrême comme partie intégrante de l'expérience qu'il propose, Léonie entend une nouvelle fois repousser les limites pour offrir aux spectateurs et spectatrices des choses jamais vues auparavant et certainement pas dans un film hollywoodien classé R. Engageant cette fois-ci une équipe pour la réalisation des prothèses et des maquillages, ce qui lui a permis de se concentrer sur d'autres aspects de la réalisation, Léonie rend notamment hommage à la cultissime scène de douche dans Psychose, imaginant comment elle pourrait être conçue aujourd'hui. À défaut de pouvoir un jour réaliser un remake du film de Hitchcock, il a donc décidé d'incorporer sa relecture de cette séquence, rendant dans le même temps hommage à un autre film bien connu des amateurs, Le Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Évitant de trop se prendre au sérieux, Léonie instaure un humour noir qui lui permet d'aller plus loin dans l'excès et la violence graphique, tout en rappelant au public qu'il ne regarde finalement qu'un film. L'idée est de proposer une expérience fun et pas juste pesante et malsaine. Inspiré du roman de Bret Easton Ellis, American Psycho, l'une des scènes du film a d'ailleurs été rendue moins explicite sexuellement et moins éprouvante que dans le livre, Léonie ayant quand même ses limites. Il lui faut repousser les frontières, mais tout en permettant à Art d'accéder à la même notoriété qu'un Freddy, un Michael ou un Jason. On attendait justement le film sur son traitement des enfants, finalement les meurtres ont tous lieu hors champ, ce qui ne dessert pas le film, loin de là. Si là aussi le film est généreux en séquences horrifiques, la scène de la chambre à coucher dans Terrifier 2, qui est d'ailleurs celle dont Léonie est le plus fier, reste encore à mes yeux et à mon estomac la plus intense de la trilogie. Why would he come back here? Even if he was alive, which he isn't. Wouldn't you want to get as far away from here as possible, as far away from you? We both know this isn't over. Si le premier volet de la saga relevait de la carte de visite pour Léonie, le deuxième venait complexifier un peu les choses pour ne pas tomber dans une redite consistant à présenter simplement un nouveau groupe de personnages avec qui Art s'empresserait évidemment de s'amuser. Certains des éléments mis en place des Terrifier se développent ainsi dans Terrifier 2, puis maintenant Terrifier 3, donnant le sentiment que Léonie sait à peu près où il va avec la franchise qu'il a créée. Personnage apparu dans le premier opus en tant que victime défigurée devenue complice de Art, Victoria Hayes revenait dans la suite le temps d'une scène post-crédit dans laquelle, internée en hôpital psychiatrique et visiblement possédée, elle tentait de redonner vie à Art. Souhaitant garder Victoria en vie, Léonie a donc offert à ce personnage un développement plus important dans ce troisième opus,
son rôle et sa nature exacte se dévoilant progressivement et faisant d'elle une menace presque aussi terrifiante que ce cher Art, en tout cas beaucoup plus bavarde, et bénéficiant de scènes particulièrement réussies. Si j'ai apprécié ce nouvel opus, lui reconnaissant beaucoup de qualités, il n'en reste pas moins que je lui préfère le précédent. Malgré l'envie d'injecter dans son film toujours plus de meurtres, de gadgets, de sang et d'humour, et d'étoffer encore un peu la mythologie mise en place, ce troisième volet peine en effet, il me semble, à réellement justifier son intérêt, si ce n'est celui de nous faire patienter jusqu'au prochain. Il y avait un tel changement d'échelle entre le premier volet et le deuxième, et ce à tous les niveaux, que celui-ci m'a moins impressionné, donnant même la sensation d'une certaine redondance avec le précédent. Je ne dis pas qu'on a déjà fait le tour du personnage de Art et de Sienna, mais comme Léonie indique qu'il lui faut encore deux autres films pour conclure cet arc, attention au remplissage inutile. Si vous aussi vous êtes en froid avec le Père Noël, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut !